Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regard sur le monde. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission où nous tenterons chaque mercredi de décortiquer l'actualité internationale. Et vous l'aurez compris, le sujet principal de cette semaine est la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, sur laquelle nous allons revenir tout de suite avec experts, sujets et analyses. Il s'agit de la plus prestigieuse des tribunes mondiales avec la participation du président de la République Ahmadinejad Tebboune, aux côtés de 140 dirigeants du monde. Un espace où les défis mondiaux de l'heure sont abordés et débattus à l'image de la paix, le progrès et la prospérité, ou encore les inégalités et les conflits. Des sujets que le secrétaire général de l'ONU n'a pas manqué de relever hier dans son mot d'ouverture. Notre monde est disloqué, a-t-il déclaré. Antonio Guterres a également appelé à une réforme du Conseil de sécurité, une vision partagée par le président de la République qui a à maintes reprises prôné des changements profonds. Dans son allocution, le président a exposé la vision de l'Algérie et ses principes immuables sur l'importance du dialogue dans la résolution pacifique des conflits, la sécurité et la paix dans le monde. Son soutien également aux causes justes. On écoute le chef de l'État. إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف مع تجديد المطالبة وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. La décolonisation, pourtant processus émanant de l'un des principes de la charte de l'ONU, son Conseil de sécurité également n'arrive plus à jouer son rôle dans la résolution des problèmes mondiaux. C'est d'ailleurs l'objectif principal de la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, et comme nous allons le découvrir dans ce sujet signé Elias Tadrini. Après la Première Guerre mondiale et son bilan de 13 millions de morts, la Société des Nations est créée en 1919. Mais elle ne se contentera que de condamnations verbales face aux multiples agressions, sans manque d'autorité accélérera sa faillite. Le Mans comptera environ 50 millions de morts après la Seconde Guerre mondiale. Conference of the United Nations on International Organization is now convened. 24 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies est instituée. Elle remplace la SDN et son siège est à New York. L'organe central de l'ONU est le Conseil de sécurité. Il est composé de 5 membres permanents, les pays vainqueurs de la guerre, l'URSS, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Chaque membre possède le droit de veto, le droit de s'opposer aux décisions de l'organisation. Il y a également l'Assemblée générale où les principales décisions sont prises à la majorité des 2/3. Le premier secrétaire général est le Norvégien Trygve Alvdanli. If we admit that the great powers must play the leading role in the Security Council. L'objectif est de maintenir et préserver la paix dans le monde. C'est à San Francisco que la conférence fondatrice de l'ONU a eu lieu avec 51 pays membres, essentiellement des pays occidentaux. Contrairement à la SDN, l'ONU se donne les moyens de faire respecter ses engagements, à travers des sanctions économiques ou des interventions militaires. La charte fondatrice de l'ONU proclame l'égalité entre les nations, et parmi les réalisations de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première intervention des casques bleus de l'ONU se déroule en Palestine en 1948 pour surveiller le cessez-le-feu entre les pays arabes et l'entité sioniste. 1956, l'ONU impose le retrait des troupes franco-anglaises envoyées à Suez en réaction à la nationalisation du canal par le leader égyptien Gamal Abdel Nasser. En 1962, l'ONU impose le boycott économique en Afrique du Sud pour condamner l'apartheid avant son abolition. Et c'est cette même année que le drapeau algérien est hissé pour la première fois à New York. Au nom du peuple algérien, je
son gouvernement. Il m'est agréable d'exprimer à votre assemblée nos vifs remerciements. Pour le vote unanime, il vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. Le 19 avril 1974, à l'ONU, le président Houari Boumediene défend un nouvel ordre économique mondial plus juste et plaide pour le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. بكل ما ينتج عن ذلك من إهدار بحقوق الشعوب وتأجيل الحلول وإبقاء الأوضاع المتطورة. L'Assemblée générale de l'ONU prévoit pour la première fois de débattre de la question palestinienne le 13 novembre de la même année, ce qui donnera naissance à un discours historique de Yasser Arafat, chef de l'OLP. هم شركائي في الأمل والحلم لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. En 2003, George Bush, président des Nations Unies, décide d'envahir l'Irak sans l'aval de l'ONU, en prétextant la présence d'armes nucléaires sous contrôle du régime de Saddam Hussein. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, insiste sur la nécessité du respect du cadre des Nations Unies, même pour les pays les plus puissants. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées. L'action américaine a remis en question l'existence de tout un système de sécurité internationale. Représentativité, politique du deux poids deux mesures, inaction ou lobbying, aujourd'hui la crédibilité de l'ONU est remise en question. De nombreuses résolutions restent violées quotidiennement, sans réaction concrète. Et de nombreux dossiers traînent sur la table du Conseil de sécurité sans réel développement. Voilà pour cette page historique sur l'Organisation des Nations Unies. Son Assemblée Générale Ordinaire s'est ouverte donc hier avec les premières interventions des chefs d'État. Une refonte de l'institution est jugée nécessaire par la majorité des participants. Et pour en parler avec nous ce matin, Abdelhak Mekki, spécialiste des relations internationales. Bonjour monsieur, on a écouté le discours du président hier lors du débat général. L'heure est à la réflexion, a-t-il déclaré, sur les moyens de promotion des valeurs et principes de la Charte des Nations Unies, une manière d'alerter sur la nécessité d'un changement dans l'action internationale, M. Mekki. Le discours du président à l'ONU devant l'Assemblée générale est un discours en fait programme pour moi, parce qu'il trace déjà le programme pour le siège qu'a l'Algérie au sein du Conseil de sécurité à partir de janvier 2024. Sur l'action que doit mener l'Algérie, en tous les cas, de façon à faire valoir un certain nombre de droits, comme ceux des Palestiniens ou même du Sahara occidental, mais donc de la République sahraoui. Mais c'est surtout sur la question palestinienne où il a insisté largement, justement pour aux Palestiniens le statut d'État membre au lieu simplement d'État observateur. Et en même temps de d'haranguer un peu le Conseil de sécurité de façon à reconnaître la solution des deux États et de régler un peu le problème qui déstabilise la question du Proche-Orient. Donc ça, c'est le point le plus fort du discours du président, tout en étant évidemment conscient des problèmes que rencontre le monde dans tous les domaines clés des Nations Unies, c'est-à-dire le climat, le développement durable, la question technologique aujourd'hui qui se pose aussi avec la technologie numérique. Il y a la question également du désarmement, puisque nous assistons actuellement
à une flambée de l'armement dans tous les États pratiquement. Et donc, il y a une situation internationale qui exige également que l'on soit un peu plus attentif au niveau international. Donc, le président a à peu près fait le tour de cette question. En tous les cas, pour faire entendre la voix de l'Algérie avec toute son expérience depuis à peu près une cinquantaine d'années sur le plan international. L'Algérie s'apprête à occuper un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la deuxième fois de son histoire. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, M. Mekki? Écoutez, bon, pour faire la différence, elle est d'abord membre du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'elle va prendre part aux décisions importantes et exécutables, en fait. Toutes les décisions du Conseil de sécurité sont en principe exécutoires, si je puis dire, dans la mesure où c'est lui qui est l'organe de décision, pas l'Assemblée générale. Mais donc c'est important d'y être dans le Conseil de sécurité, et notamment donc comme je parlais de la question palestinienne, probablement que l'Algérie va proposer justement la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et puis la décision auprès du Conseil de sécurité pour admettre l'idée de deux États, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est important au niveau du fonctionnement en quelque sorte du plan international en ce qui concerne les grands problèmes qui sont posés au monde dans son ensemble, y compris la guerre en Ukraine. Donc l'Algérie, elle est porteuse également de la médiation arabe dans la guerre russo-ukrainienne, et donc elle pourra faire valoir également tous ces points cités par le président au sein du Conseil de sécurité. Donc ça, c'est important. Le monde a besoin de solutions dans tous les domaines, c'est-à-dire dans tous les domaines clés sur la question de la pauvreté. C'est clair qu'on a l'ONU a réussi en tous les cas à réduire la pauvreté sensiblement, mais il reste qu'il y a des poches importantes de pauvreté dans le monde et qu'il va falloir prendre aussi également des décisions là-dedans. Donc toutes les questions internationales brûlantes aujourd'hui, l'Algérie peut y participer parce qu'elle a une expérience d'abord diplomatique assez riche. Et puis en même temps, bon, sur les questions les plus dures comme les conflits, etc., elle a aussi l'expérience de la médiation. Et donc par conséquent, elle va jouer un rôle que lui conférera le Conseil de sécurité en général, quoi. C'est ça. Mais d'une manière générale, elle contribuera également au sein de l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale est l'organe souverain, en quelque sorte, des Nations unies, qui avalise, en tous les cas, les décisions prises au sein du Conseil de sécurité. N'empêche que l'Algérie restera quand même membre aussi de l'Assemblée générale, donc elle prendra part à toutes les discussions au sein de l'Assemblée. Monsieur Mekki, il y a également la question de la représentativité, une meilleure représentativité de l'Afrique, des pays arabes au Conseil de sécurité sont réclamés. À quel point est-ce important pour nous? Écoutez, franchement, moi, je peux vous donner peut-être mon avis, mais disons, aujourd'hui, tous les États, il y a un problème, effectivement, auprès des Nations Unies, et on je suis obligé en quelque sorte de rappeler historiquement ce qui s'est produit pour avoir les Nations Unies. En fait, l'organisation des Nations Unies telle que nous la connaissons, c'est-à-dire depuis la charte de San Francisco, c'est qu'on a cherché après la Deuxième Guerre mondiale à avoir une institution qui puisse effectivement s'occuper de l'universel, mais pas de la même façon que la SDN, la Société des Nations, qui est née au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui a été un échec, étant donné qu'elle n'a pas siégé assez longtemps à Genève et qu'elle a dû disparaître à cause justement des tensions internationales, notamment à cause de la montée du nazisme et du fascisme et des divisions à l'intérieur de la SDN et surtout sur les ambitions géostratégiques des uns et des autres.
Donc, on a pris toutes les précautions au sein de pour la formation de l'ONU, c'est-à-dire de la doter d'un organe de décision, d'une assemblée générale, mais en même temps de faire en sorte qu'elle agisse pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Oui, mais comment, Monsieur McKay, comment? La guerre froide a en quelque sorte arrangé ce projet, puisqu'il y avait deux États qui s'affrontaient, à savoir des blocs en réalité, le bloc occidental avec le bloc des pays communistes socialistes, c'est-à-dire des pays satellites et de l'Union soviétique de l'époque. Mais ça fait 30 ans. Le monde a changé entre-temps, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin et la disparition de l'Union soviétique. Il n'est plus question d'une bipolarité comme elle existait. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus compliquée, d'abord par le fait que le Conseil de sécurité s'est montré, en tous les cas, pas d'une grande autorité, notamment dans l'affaire irakienne, puisque les États-Unis ont agi en Afrique sans l'autorisation réelle du Conseil de sécurité. En Afrique, en Irak, je voulais dire. Sans autorisation du Conseil de sécurité. Donc déjà, là, nous avons un problème de question d'autorité et puis un problème en même temps qui a eu une incidence grave sur la conscience internationale et universelle. Donc on est devant une situation morale à la fois qui est en même temps un conflit et qui montre l'incapacité du Conseil de sécurité à ne pas maintenir la paix et la sécurité partout dans le monde. Et on le voit avec toutes les crises. Restez avec nous, Monsieur McKay. Je vous invite ainsi que nos auditeurs à écouter ce qu'a déclaré le président de la République au sujet de l'ONU. On écoute. يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحا شاملا من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية ويكفل التوازن الجغرافي العادل. Voilà donc le président de la République qui évoque des réformes, une refonte de l'ONU. L'incapacité de l'ONU à jouer pleinement son rôle est aujourd'hui avérée, vous l'avez dit vous-même, Monsieur McKay. On parle souvent de refonte du Conseil de sécurité, mais rien n'est fait. Pourquoi selon vous? Il faut dire que, par exemple, sur la question de la lutte contre la pauvreté, il y a des succès. Il y a une réduction sensible de 35 à 45% de la pauvreté dans le monde grâce au programme des Nations Unies. On a la conscience sur le climat, c'est-à-dire que les Nations Unies restent quand même fonctionnelles par le fait qu'elles sont un organe de négociation et d'universalité et donc qui pose le problème du climat à un niveau mondial. La guerre de l'Ukraine, les Nations Unies sont intervenues justement de façon à débloquer les exportations de céréales vers les pays pauvres. Bon, mais la question a évolué différemment entre les deux belligérants. Mais de toutes les façons, il y a des succès à l'intérieur. Il y a des succès au niveau de l'amélioration de la santé, au niveau de l'ONUDI, donc du développement industriel, etc. Le problème, c'est qu'il y a des situations qui ont fait que la confiance qu'avait le monde qu'il accordait aux Nations Unies a un peu été atténuée par les interventions comme celle de l'Irak ou certaines interventions et par justement la disparition à la fois de la politique de la bipolarité par une sorte d'unilatéralisme qui était évidemment celui des pays occidentaux et principalement celui des États-Unis qui dirigeaient le monde à leur bon vouloir. Donc là, aujourd'hui, il y a un problème de ce type-là. Il n'y a pas un problème de dire les résultats sont négatifs. Les Nations Unies ont maintenu la paix et la sécurité, même s'il y avait des conflits régionaux comme celui d'Israël ou des Palestiniens ou des conflits
en Afrique ou même en Amérique latine, il en demeure pas moins qu'elle a maintenu la paix et la sécurité pendant des années. Nous n'avions pas eu une guerre mondiale jusqu'à la guerre ukrainienne. Mais bien sûr, le concept de mondial, grâce aux Nations Unies, est devenu plutôt un concept ou plutôt une notion qui ne concernait en réalité, quand on parlait du monde et de l'universalité, que les pays développés. Et donc, on a assisté à une sorte de perte de confiance au sein des Nations Unies qu'il est nécessaire aujourd'hui de réformer. Mais je me demande, madame, sincèrement, en tant que spécialiste des relations internationales, je me demande si c'est ça la solution, c'est de pouvoir élargir le Conseil de sécurité et mettre plus de monde. C'est-à-dire, et puis en plus, de quelle façon? Aujourd'hui, il est élargi par 15 membres non permanents. Mais si on a beaucoup, 12 membres permanents, je ne sais pas si on va assurer la sécurité et la paix, mais je ne sais pas non plus si on va trouver des solutions à tous les problèmes comme celle du climat et autres, parce qu'à ce moment-là, on va assister à des situations, à abracadabra, dans la mesure où il va y avoir l'usage du droit de veto abusivement. D'accord, monsieur Mekki, mais que faut-il donc pour que les Nations Unies ou l'ONU puissent jouer pleinement son rôle, que ce soit dans la résolution des conflits, la prévention des guerres ou encore le développement durable ou le climat? Les actes des Nations Unies, notamment, je parle plutôt des résolutions des Nations Unies, comme une source du droit international. Et donc, il ne reconnaît que les conventions, donc les actes des Nations Unies, comme les conventions des droits de l'homme, les conventions de l'enfant, des femmes, sur d'autres domaines, etc. Et donc, les résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale et qui très souvent sont des solutions beaucoup plus radicales que celles du Conseil de sécurité, parce que c'est tous les États qui prennent part, elles ne sont pas considérées comme une source du droit international. Et donc, leur adoption est une adoption à la majorité simple pour la plupart du temps, sauf dans des cas majeurs où il faut les deux tiers. Et donc, elles sont adoptées, mais leur exécution, elle est confiée au même législateur, c'est-à-dire à celui qui a fait la résolution, à savoir les États eux-mêmes, qui sont chargés de l'exécuter. Alors, on a Israël qui est membre, il y a une résolution contre l'usage des territoires occupés et de construire des immeubles et des habitations et de chasser les Palestiniens. Il y a une résolution, mais seulement elle n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas appliquée par le membre lui-même, qui est membre des Nations Unies, qui est Israël. Et c'est le cas de toutes les résolutions des Nations Unies. Et je pense qu'au lieu de penser à l'élargissement du Conseil de sécurité avec un droit de veto, on va avoir plus de conflits d'intérêts et de géostratégiques et géopolitiques. Donc, c'était Monsieur Abdelhak Mekki. Merci, Monsieur Mekki Abdelhak, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. J'appelle également que certaines interventions lors du débat général des Nations Unies sont à relever. Le président iranien qui a accusé l'Occident de pratiquer l'islamophobie, de financer le terrorisme. A noter aussi l'intervention du président ukrainien qui a fait le déplacement à l'occasion. Zelensky a plaidé pour plus d'aide pour l'Ukraine et a attaqué la Russie, qui en passant n'était pas représenté par son président pour cette 78e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. En passant sans transition à notre prochain sujet. Le sentiment anti-français qui se propage en Afrique, notamment dans le Sahel, c'est le Zoom de Léa Stolrini.
Yes, bonjour. Bonjour Sabrina. La présence française, de plus en plus décriée. On parle carrément de divorce entre la France et les pays du Sahel. Après le Mali et le départ des troupes Barkhane, le Burkina Faso avec la fin de l'opération Sabre, on va s'intéresser au Niger où la présence française diplomatique et militaire est devenue indésirable. De nombreux accords conclus entre les deux pays ont été suspendus par les militaires qui ont pris le pouvoir le mois de juillet dernier. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, le président Mohamed Bazoum est assigné à résidence surveillée avec sa famille au palais présidentiel. La France soutient le président Bazoum et n'écarte pas l'idée d'une intervention militaire si la CEDEAO le décide pour restaurer l'ordre constitutionnel. Son ambassadeur à Niamey, Sylvain Ité, déclaré persona non grata, a été sommé de quitter le pays. L'ultimatum n'a pas été respecté. La France a récemment réaffirmé sa décision de maintenir son ambassadeur. Macron a même qualifié la situation de prise d'otage, une déclaration qui n'a pas bien été reçue par les militaires au pouvoir qui dénoncent l'ingérence française. En même temps, des milliers de manifestants ont demandé le départ des soldats français du Niger. Ils sont 1500 affectés dans 3 bases à Niamey pour contribuer à la lutte antiterroriste. Mais présents depuis plus de 10 ans, les Nigériens estiment qu'ils ont failli à leur mission. Le résultat serait décevant. Mais l'enjeu, vous vous doutez bien, c'est l'uranium. Si le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres, il contient des réserves d'uranium près d'Agadez parmi les plus importantes au monde. L'uranium qui est une ressource naturelle fondamentale au fonctionnement des centrales nucléaires françaises. Donc les conséquences pour la France sont plutôt énergétiques. C'est l'influence française qui perd du terrain. L'Hexagone ne s'attendait pas à un tel scénario. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a même décidé récemment de suspendre la délivrance de visas et des aides financières aux pays sahéliens en guise de représailles. De son côté, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a donné un délai de 14 jours à l'attaché militaire français pour quitter son territoire en l'accusant d'activités subversives. Le Burkina qui a expulsé en janvier dernier l'ambassadeur français. Le point en commun entre ces 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est aussi un rapprochement avec la Russie, un rapprochement qui est critiqué par la France. Nous sommes peut-être en train d'assister à la fin du paternalisme néocolonial dans la région sahélienne. Merci Elias Tellerini, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de Regards sur le Monde. Merci également à l'équipe technique qui m'accompagne.